Oui, allô, bonjour. Qui est à l'appareil? Gabriela. Gabriela, puis-je avoir votre date de naissance, s'il vous plaît? 29-5-78. 29-5-78. Gabriela, la première lettre de votre nom de famille, s'il vous plaît, de jeune fille. N comme Noémie? Voilà. Gabriela, je vous écoute. Plus votre question sera précise et plus ma réponse sera précise aussi. Je vous écoute. Alors, j'aurais voulu savoir ce que vous voyez pour moi dans le domaine sentimental. Domaine sentimental, vous allez me donner trois chiffres entre 1 et 29, dans n'importe quel ordre, mais sans croiser les jambes. Alors, le 3. 3. Le 7 et le 21. 3. 1, 2, 3, 4, 7. Vous pensez à un homme lointain, un homme absent, quelqu'un qui est parti? Oui. Quel est son prénom, s'il vous plaît? Alors, John. John. Et sa date de naissance? 22 novembre 81. Au travers des trois cartes que j'ai sous les yeux, mais également à l'écoute de votre voix, j'ai pas l'impression, j'ai pas le sentiment que cette histoire puisse rebondir aussi favorablement que vous le souhaitez. Cependant, je suis d'accord, elle n'est pas finie. Je pense que John refera un tour dans votre vie dans un délai de temps que moi j'estimerais à moyen terme, c'est-à-dire 2 mois à 3 mois. Et que, compte tenu, je pense qu'à ce moment-là, vous serez beaucoup plus capable d'accepter la vérité, c'est-à-dire que John ne rentre pas dans l'histoire telle que vous le voulez, n'est pas capable, n'en a pas envie, ça c'est de son libre arbitre, mais qu'effectivement, tant que vous avez un petit peu une sorte de doute, effectivement, vous lui gardez la place la plus importante. Mais je pense qu'entre la solitude, la rancœur que vous pouvez avoir, que vous commencez à avoir, plus un petit peu le fait de trop y penser en n'ayant rien en retour, j'ai l'impression que le moment du décrochage de l'histoire entre Gabriela et John est appelé effectivement un petit peu à prendre de la distance. Mm-hmm. Il y aura, je reste convaincu qu'il y aura une autre rencontre après, mais ce dont je suis absolument certain, c'est que vous aurez d'abord quitté John avant. Il n'y aura personne qui viendra un petit peu sur son chemin en même temps que lui, même si pour l'un ce sera le début d'une histoire et pour l'autre une fin d'histoire. Je pense que vous le quitterez, que vous déciderez de vous-même d'arrêter la relation, que vous déciderez de vous-même de tourner une page et puis de ne plus croire forcément à toutes ces chimères. Là, oui, et pratiquement dans la foulée, pour moi la foulée c'est 1 à 3 semaines dans la suite, où vous faites une autre rencontre, quelqu'un qui serait par contre cette fois-ci plus âgé et de John et que de vous, et quelqu'un qui aurait les moyens de vous proposer une véritable histoire, de vous proposer un véritable avenir. Quelqu'un qui a un métier itinérant, alors c'est ou consultant, ou commercial, ou vendeur, ou voilà, mais il est très itinérant, il est assez souvent dans sa voiture, et c'est avec cet homme-là que vous construirez quelque chose, pas avec John. D'accord. Vous voyez, le grand problème de John, c'est que même s'il y a une compatibilité, si les deux dates de naissance sont exactes, et j'ai toute raison de le penser, je pense que c'est quelqu'un qui a décidé de ne pas en donner plus que ce qu'il pourrait ou de ce qu'il voudrait, lui. D'accord. Donc il est forcément dans le retrait, il est forcément dans une attitude de ne pas vous montrer, de vous démontrer un petit peu ce que vous souhaiteriez, tout simplement parce qu'il aurait peur que tout ceci corresponde à ce que vous estimeriez être des preuves ou des promesses d'engagement. Et effectivement, il n'est pas dans cette dynamique-là. D'accord. C'est bien ce que je pensais. Je vous parlais très franchement, la complaisance, ça ne sert strictement à rien en voyance, puisque de toute façon, tôt ou tard, on est confronté à la vérité. Alors des fois, ça peut faire mal sur l'instant, c'est vrai, je vous l'accorde, mais au moins on le sait. Après, c'est notre libre arbitre qui nous indique ce que l'on doit faire, mais il y a des moments où on sait, on est certain que d'entretenir une illusion, ce n'est que pour augmenter une souffrance tôt ou tard. Donc je vous dis franchement, moi John, c'est un gentil garçon, mais il n'a vraiment pas le profil de l'homme que vous souhaitez à vos côtés. Très
très bien. Gabriella, j'étais ravi de faire votre connaissance, j'étais ravi de vous apporter cette réponse. Si vous souhaitez qu'on en reparle, ou peut-être même d'un autre sujet, le 8278, c'est mon identifiant, vous me retrouvez à partir de la page du site de l'émission. D'accord, je ne manquerai pas alors. Merci beaucoup Gabriella, à très bientôt, au revoir. Je vous remercie, au revoir. Merci.